Alors là, c'est la pyramide Ratapignata. Dans la langue niçoise, ça veut dire le chauve-souris. Et c'est le petit village où il faut monter, donc c'est l'hygiène. Il y en a des gens qui disent ça a à voir avec les gènes en Inde, mais je ne crois pas. Donc Jaina, ils disent dans la langue niçoise, ça veut dire la bergerie. Donc là, c'est le Ratapignata, Ra comme le dieu solaire de l'Égypte. J'ai fait du stop dans 5 jours pour y arriver, j'ai marché beaucoup. Comme hier, j'ai marché depuis ce village-là, c'est Falikon. Il faut chercher donc pour Falikon. Là, pittoresque. Et là, ce sont les Alpes. Les Hautes Alpes. Et là, là-bas, c'est l'Égypte. Donc c'est Nice. Et bien sûr, de l'autre côté de la flotte, il y a l'Égypte. Et donc les pharaons, ils sont atterrés ici, il n'y a pas de doute. Hein. Et ils sont en train donc de détruire toutes les preuves, parce que j'y étais il y a 21 ans. Il est encore intact en haut. On pouvait voir que c'est une pyramide, mais on le voit encore. Ils veulent détruire systématiquement les preuves qui sont là. Et pourquoi les mettre ici sur la montagne? Parce que il y a une meilleure vue d'une satellite. Ou un vaisseau spatial ici que là à Nice sur la plage, et c'est sûrement sur une ley line. Donc la pyramide se trouve donc dans la montagne, il faut creuser et il y a une vraie pyramide, un grand. Alors quand ils ont atterré ici, le pharaon, avant qu'ils ont fondé la Suisse, ils ont atterré en Europe ici à Nice, c'est la preuve. Et ils sont tout le temps, ils ont regardé la montagne et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il y en a là-bas? Maintenant, ça appartient à eux, ça octogone la Suisse. Alors malheureusement, pièce par pièce, ils détruisent la pyramide pour enlever la preuve. Les pharaons, ils sont là depuis longtemps. Donc il y a 20 ans, il est encore intact ici, là, en haut, comme une vraie pyramide. On le voit encore. Hein. Alors, juste comme en Bosnie, il y en a une pyramide, une très grande pyramide, dans la montagne. Alors ça, c'est, il y a un âge de 4000 ans, la pyramide Ratapignata, avec un bon regard là sur la mer Terre, l'Égypte. Là, une image de ce côté-là, de cette pyramide. Et là, on a la piscine de ces nouveaux pharaons. Voilà. Alors, avec ceci, qui a encore besoin de preuves que les pharaons, ils sont là, qu'ils sont toujours été là? Et ils nous règnent, ils ont tout le pouvoir et ils ont fondé la Suisse. Je pense que c'est l'ultime preuve, non? Alors quelque part, après le Moyen-Âge, il y avait ici dans la forêt qu'il y avait, un incendie et c'est à ce moment-là que la pyramide est sortie du feu, des cendres. Et. Donc, encore jusqu'à 1920, il y avait une swastika, une croix gammée, qui était ici là-dessus, sur la pyramide. Donc, une swastika pharaonique, qui vient de Pharaon, comme je l'ai prouvé dans une de mes autres vidéos. Et encore sur la croix gammée, là, le swastika. Oui, la croix svastika. Oui. C'est une croix qui beaucoup de sectes avaient comme emblème, comme un signe, quoi. Donc là, le village Ejaïn serait directement lié à la pyramide où, à la cime de la pyramide, il y avait la croix svastika. Donc c'est ce que
j'ai appris, j'ai toujours su, étant gamin, qu'il y avait une croix là-dessus. Ouais. Parce que de génération en génération, on racontait ça aux... Voilà, je ne sais plus quoi vous dire d'autre, sous les jolies. Ouais. Et là, vous allez faire quoi avec ça? Donc là, on va aller voir si Satan, le dieu des ténèbres pharaoniques, s'il est là. Monsieur Satan, vous êtes là? Il y en a de pharaon là? Donc ça va tout dans la profondeur de la pyramide. Ça. Et je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Ça va tout à l'intérieur là. C'est très profond. Et apparemment, il y en a des gens qui passent là, qui font des trucs bizarres là, des trucs de la magie pharaonique. Sur la messe que vous avez vue quand vous étiez enfant? Non, pas la messe. Que dans la pyramide, il y avait une espèce d'autel. Et on voit qu'il y avait des... Ils faisaient des rites ou je ne sais trop quoi, quoi. Ah oui. Donc, moi aussi, tout à l'heure, j'ai vu une pentagramme avec des bougies, il y avait là-bas. Où ça? Là, au Rata Peñata. Oui, bon, mais il y a tellement, elle est tellement visitée qu'il peut y avoir... Non, moi, je parle de quand j'étais vraiment gamin, j'ai 80 ans, je vous dis, à un moment que ça... Il y avait une espèce d'hôtel, comme pour dire une messe. Une messe noire? Je sais pas. Très intéressant. Non, merci. Mais c'est que... Mais si vous achetez le livre de Guitarat, qui doit être en librairie, lui, il est très, 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 très documenté là-dessus. Ok, c'est très intéressant. Et moi, il m'a appris des choses que je ne savais pas, bon, sur la pyramide. Et cette histoire de croix, je vous dis, je le crois d'autant plus que les anciens... Donc, encore la Rata Peñata d'un autre angle. L'ennemi de l'intérieur est très réel, ils sont là. Qui en a encore besoin de preuves? C'est ultime la preuve.